Salut à tous les petits potes, j'espère que vous allez bien les gars, moi en tout cas ça va super. Avant de commencer ma vidéo de présentation sur mon casier Fortnite les potes, Fortnite a sorti cette nuit-ci les gars, 19 étages les gars, avec tous les skins de Noël et autres. Donc si vous voulez en acheter un, n'hésitez pas à rentrer mon code créateur WeDoxMusic dans la boutique les potes. Accepter c'est totalement gratuit et ça me ferait énormément plaisir. Merci à tous ceux qui le font les gars. Donc on est du coup parti pour le casier Fortnite, les potes. Je vais pas vous montrer toutes les danses, les gars, parce que je suppose que tout le monde a plus ou moins les mêmes. C'est généralement des danses du pass de combat. Donc, je vais vous montrer mes camouflages d'armes, mes traînées, mes planeurs, mes pioches et mes skins, les gars. Donc, s'il y a quelque chose qui vous plaît dans mon casier Fortnite, les potes, n'hésitez pas à le dire en commentaire, les gars. Voilà, voilà. Donc, du coup, on commence par les camouflages, les gars. J'en ai quelques-uns quand même, mais la plupart c'est quand même des camouflages du pass de combat. Celui-là je le trouve trop terrible. Avec un skin noir ça va super bien les potes. Ah non par contre il y en a, ils sont dégueulasses, hein. Faut pas se mentir. Hein. Celui-là terrible aussi. Celui-là c'est un de mes préférés les potes. Camouflage de la World Cup. Le camouflage de Borderlands. Ça, c'est un camouflage que je joue souvent aussi, les gars. Si vous voyez dans mon casier, les gars, un camouflage ou quoi que vous aimez bien, n'hésitez pas à le dire en commentaire, les potes. Le camouflage du skin Galaxy. Ça, c'est un camouflage qu'on a reçu gratuitement, je pense. Ça, c'est un truc que je mets tout le temps aussi. Je le mets, mais vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ici, on a tous les camouflages de la série Marvel. Le camouflage Magma. Le camouflage Bleuvage. Trop badass, le camouflage. Voilà. Celui-là aussi, est pas trop mal. Enfin, moi, je préfère les trucs assez simples, quoi. Voilà, voilà. Donc, du coup, pour les camouflages, je pense qu'on est bon. Dans les traînées, les gars. Les traînées, c'est plus ou moins pareil que les camouflages. La plupart, c'est ceux du pass de combat. Voilà, voilà. Maintenant, vous dire combien de traînées et de camouflages d'armes, je ne saurais pas vous le dire, les gars. J'ai pas tout compté. En skin, je crois que je dois en avoir plus ou moins 160 de skins. Un peu de choses près. Oh, il y a vraiment des traînées, c'est vraiment moche. Hein. Ils se sont pas foulés le cul quand même. Hein. Ça, c'est pas mal. Avec le lutin. En version Minty. Celui-là, je le mets tout le temps, les gars. Je le trouve trop beau. Celui-là aussi, je le mets tout le temps. Le planeur Tornade. Et moi, j'ai tous les... Ah non, c'est pas là-dedans. Ce n'est pas là-dedans, c'est dans la rubrique après. Les planeurs. Les planeurs, les gars, j'ai tous les planeurs de top 1, du top 1 de la saison 6. À partir de la saison 6, pardon. Voilà, voilà. Celui-là, trop stylé. Trop, trop beau. Celui-là aussi, trop stylé. Celui-là, je l'ai eu gratuit, les gars. Grâce à un tournoi en Océanie. Donc, comme vous pouvez le voir, les gars, la plupart des planeurs, c'est aussi grâce au pass de combat, les potes. On n'est pas acheté beaucoup, ça. Mon parapluie perso. Le parapluie, la version Star Wars. Celui-là, je le trouve trop stylé, les gars. La planche du surfeur d'argent. Le planeur de Travis Scott. Le planeur de Batman.
Celui-là, je sais pas pourquoi je l'ai acheté. C'est 1500 V-Bucks. Mais bon, il me plaisait bien sur le coup, donc... Team Pigeon en force, les potes, hein. Putain, ce planeur-là, les gars, vous le mettez, on vous repère à 3 km. C'est insane. Voilà, voilà. Dans les pioches, les potes, j'en ai quand même pas mal. Les pioches de sauver le monde. Une petite pioche tryhard, l'appel à neige. La pioche de la cartoucheuse. La petite pioche tryhard. Ma nouvelle pioche tryhard. Honnêtement, elle est trop stylée, la hache. Trop stylée. Donc les gars, si vous voyez des pioches qui vous plaît, les gars, dans mon casier, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et la porte, ça me ferait super plaisir de le savoir. Les pieds de biche. Le lama en or. La faux spectrale. La faux du désordre. Ça, c'est dans un pack. La faucheuse. La faucheuse, ce qui est marrant, c'est qu'au départ, tout le monde voulait la voir. Et maintenant qu'elle est sortie de la boutique... Plus personne ne la joue. Je la vois plus jamais en game. Les battes de baseball. Ça, les potes, pour le moment, c'est une de mes pioches préférées avec la hache. La baguette étoilée. Les pioches du skin sadique. La pioche du club Fortnite. Ça, c'est une pioche qui vient avec un pack, il me semble. Ça, c'est une de mes préférées, la pote. Dites-moi dans les commentaires si elle est rare, la pote, la pioche Minty. Je pense que oui. Mais non, c'est à vous de me le dire, les gars. Puis après, on arrive sur les pioches, les gars, de la série Marvel. La pioche du Joker. Ça, les potes, je la mets tout le temps avec le point Sky, les gars, version hiver. Je trouve ça trop stylé. La pioche de Batman. La pioche du Joker. Ça, c'est dégueulasse. C'est clairement dégueulasse. Honnêtement, je pourrais la retirer de mon casier, je le ferais. Allez, quoi. On dirait qu'elle va vous bouffer avec sa grande langue. La pioche d'Harley Quinn. Et voilà, les potes, hein. On est pas mal, là. La pioche de Marshmallow aussi. Le balai d'Harry Potter. Et voilà, les gars. Donc maintenant, on arrive sur le sujet principal. Les skins, les gars. Les skins, je dois en avoir 100, 160 environ. Maintenant, je sais pas vous, mais moi, les gars, tous les skins à 2000 V-Bucks, je joue jamais avec, les gars. Je joue tout le temps avec des skins de 800 à 1200 V-Bucks. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'ils sont mieux réalisés. Ici, on a Dumbledore. Maintenant, il y a des skins, les gars, je les achète. Et honnêtement, je joue même pas avec, quoi. C'est honteux, quoi. Le skin qui est sorti de la boutique avant-hier, il est trop badass. Le pantin. Skin tryhard, les gars. Ça, les potes, ça vient... Ah non, ça a acheté aussi, c'est pas un pack, ça. Non. Le lutin. Bon, elle s'appelle Kira, mais moi, je l'appelle Barbie, les potes. Hein. Honnêtement, c'est à peu près ça. La jalonneuse. La jalonneuse, les gars, c'est comme la faucheuse. Tout le monde vous laisse la procurer. Et maintenant qu'elle est sortie de la boutique, les gars, il n'y a plus personne qui joue avec. Ça, ne me demandez pas pourquoi je l'ai acheté, les gars. J'en sais rien. Un petit skin tryhard aussi. Il porte bien son nom, Focus. La floconneuse. Le skin de mon Graal. Celui-là, je l'ai juste acheté, les gars, parce que ses bras, ils sont en RGB. Donc en RGB, les gars, c'est comme vos claviers et vos souris, les gars. Il y a du LED. Je
Je pense que dans tous mes skins, les gars, je pense qu'on m'a offert grand maximum 10 skins, les gars. Sinon, la plupart, je les ai achetés, les potes. Le skin de la chaîne, la cartoucheuse, trop stylé. Un autre skin tryhard. Le skin mamie. La Renegade, la pote version pas d'épices. Ça, je pense, les gars, que ça vient du pack sombre, les amis. Ça, c'est un autre pack, les potes. Ça, c'est emmerdant. T'as une Tina, les gars. Moi, j'ai une version limitée, les potes. Une édition limitée. Regardez, moi, je l'ai pas totalement fini, la Tintina. La Ghoul. Maintenant, la Ghoul, je ne l'ai pas en rose. Bien dommage, les gars, parce que la Ghoul en rose, elle est vraiment trop stylée. Le soldat festif. Au départ, ce skin, je le trouvais super beau. Et quand j'ai vu ces bottes, les gars, allez, les bottes, c'est incroyable, hein. Regardez un peu. Elles sont énormes, les bottes. Le skin du passe de combat. Le skin iconique. Pour vous, les potes, si vous trouvez que le skin iconique est rare, les gars, marquez-le dans le commentaire. Moi, j'aimerais bien savoir, les potes. Voilà. Trop stylé ce skin-là. Celui-là aussi, sa compagne. Le skin fendeuse de cœur. Ça vient d'un pack aussi, les potes. Voilà. Ça aussi, ça vient d'un pack, les amis. Le skin Astra, trop terrible. Pas de commentaire à ce sujet. Ce skin est vraiment dégueulasse, clairement. Joker obscur. Trop tryhard. Le skin Borderland, tes potes. Trop tryhard aussi. Le skin Travis Scott. Le skin Ninja, les gars. Le Poiscaille. Ça, les potes, à chaque fois que je vois ce skin-là, les gars, j'ai l'impression de voir mes modérateurs, les potes. Plumbit, les gars, et Fekin. C'est vraiment ressemblant, honnêtement, comme deux gouttes d'eau, les gars. Le skin loser fruit, je joue jamais avec non plus, c'est quand même malheureux. Hey, salut toi! Bonjour, petite perruche. Le skin Joker. Harley Quinn. Celui-là, les potes, pour le moment, je ne joue qu'avec celui-là, les gars. Il y a 36 000 façons de le personnaliser, les gars. C'est incroyable. En plus, c'est un skin qui est fin, donc pour l'arène, c'est juste au top. Le skin Oro. Maya. Le skin Glow, les potes. Le skin du Club Fortnite. Le skin Galaxy. Et les autres, après, ben, c'est tout des skins, les gars, de passe de combat. Mis à part le skin fournaise, les potes. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de mon casier, les amis. Hein. Ça, c'est un skin d'un pack aussi, les potes. Avec le Joker. Les Batman. Et voilà. Dans l'ensemble, on est bon, les potes. Hein. Donc voilà, les amis. J'espère que la vidéo vous aura plu, les potes. La prochaine vidéo, les gars, qui sortira, ce sera ma vidéo setup, les gars. Donc du coup, on se retrouve demain pour un live, les potes. Et je vous souhaite une très bonne journée, les amis. Ciao, ciao!